Lyonnais. You were Nakamura. Nakamura? Bro. Ok, that's good. Ok. Allez, gâte. Hello, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, vidéo super rapide dans nos laboratoires, c'est lundi, donc c'est un peu super occupé. Donc, on va aller dans notre salle rapidement. Très très courte vidéo aujourd'hui, on va parler de l'entretien pour les candidats qui ont passé les preuves, qui sont arrivés au niveau de l'entretien, au niveau de la bourse. Donc, restez connectés. Tout à l'heure, je change de salle et on se prend. Ok, salut encore. Comme je disais tantôt, aujourd'hui c'est lundi et l'autre salle est super occupée. Donc là, je suis dans notre salle du laboratoire, un peu moins occupée. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo super rapide. Aujourd'hui, on est un peu occupé aussi au laboratoire, un peu content et excité et tout. On a fait un projet de recherche, un document scientifique et ça a été accepté pour aller à Hawaï. Donc, le petit de Gonzague va aller à Hawaï bientôt. Donc, tout ça au frais de la reine. Donc, venez, on va étudier ensemble, on va réussir ensemble. Donc, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, Abidjan, Gonzague, voilà, de Gonzague, Hawaï, les gars. C'est Hawaï, hein, il va dire. Voilà. Donc, c'était la parenthèse juste pour vous expliquer pourquoi je suis content, en même temps super occupé parce qu'il faut que je corrige et puis ramener ça chez les organisateurs là-bas. Donc, la parenthèse étant bouclée, on va passer au sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de l'interview, mais de preuve orale. Donc, pour ceux qui passent la bourse d'études de recherche au Japon, même la bourse pour le Semangako, ils doivent faire face à une preuve qu'on appelle l'épreuve orale. Donc vous arrivez dans une salle et vous êtes en salle en face des membres du jury. Il y a au moins 5 membres du jury, forcément un ou même deux japonais là-dedans et puis deux autres personnes de votre pays. Et comment arriver à gérer l'épreuve orale, quels sont les conseils que je peux vous donner pour ceux qui ont commencé à me suivre jusqu'à là. Les gens m'ont beaucoup contacté en inbox, les messages, les commentaires sur YouTube. Faire une vidéo sur l'interview, donc j'ai pas assez de temps, on va faire ça super rapidement aujourd'hui pour partager un peu. Je vais apporter 3 conseils vraiment importants et ensemble on va les décortiquer, mais rapidement. Donc le conseil numéro 1, quand on entre dans la salle pour l'interview, le premier conseil que je vous donne, c'est de commencer et de rester le plus possible en anglais. Donc, quand vous rentrez dans la salle, les élus vont vous poser les questions. Les premières questions seront en anglais. Si vous ne savez pas, ça sera en anglais. Donc, il arrive, what's your name? How old are you? Can you tell us more about you? Donc, toutes ces questions-là seront posées en anglais. Donc, pour le candidat qui arrive à répondre à ces questions de base là, en anglais, c'est déjà un bon point. Donc, même si vous n'avez pas un bon niveau en anglais, débrouillez-vous pour répondre aux questions de base là, en anglais déjà. Ça prouve que vous êtes un bon candidat en anglais. Quand vous allez arriver au Japon, personne ne vous parlera en français. Si vous avez la chance de me croiser, on va parler un peu français, mais au Japon, on parle anglais. Donc déjà, les membres du jury dans vos pays ont besoin de jauger votre niveau en anglais. Donc, premier conseil, commencez et essayez de rester en anglais le maximum de temps que possible. Peut-être qu'on va commencer à vous poser des questions techniques. Ça sera difficile d'expliquer en anglais votre projet ou bien ce que vous voulez venir faire au Japon. Mais néanmoins, les questions de base, il faut débrouiller vous et il faut marquer les points en anglais. Deuxième conseil, ce que j'appelle la question piège, la question difficile. Donc il y a toujours, quel que soit le niveau, on va dire quoi, quel que soit votre niveau, quel que soit le nombre de temps que vous avez pris à vous apprêter, le niveau de préparation, il y a toujours un membre du jury, il y a toujours quelqu'un qui va vous poser une question, à un moment ça va vous dégommer quoi, du genre, vous avez pensé à tout, mais vous n'avez jamais pensé à cette question là. Donc en avance, voilà, je veux vous dire en même temps qu'il y aura forcément une question qui va venir vous faire basculer, et c'est à ce moment là que vous transpirez un peu dans votre tenue, si vous devez venir en veste, même sur votre cravate.
Donc, quand cette question va arriver, il faut vous rappeler cette vidéo-là d'abord, et puis sourire, et puis répondre. Donc, je vais vous montrer comment répondre quand ces genre de questions-là arrivent. Mais la réponse que je vous donne, ça va s'appliquer pour une seule question difficile. Donc, s'il y a plusieurs questions difficiles, vous allez gérer. Mais pour une seule question difficile, cette question difficile, si vous avez une seule balle dans l'arme, une seule cartouche, donc il ne faut pas l'utiliser à la première question difficile qui arrive. Donc voilà la réponse. Le mec vous regarde en face et vous dit « Ok, monsieur, même madame, mademoiselle, vous avez fait un bon truc, mais si telles conditions ne sont pas réunies, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, ça ne va pas marcher, qu'est-ce que vous allez faire? S'il n'y a pas ça, ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que vous allez faire ?» Là, ça peut être une question difficile, il y en a plein de questions difficiles comme ça. Donc quand la question arrive, quelque soit la nature de la question, c'est ce qu'il faut faire. Il faut sourire. Et puis, vous dites, ah, vraiment, j'y avais pas pensé. Et vraiment, c'est, merci, c'est une très bonne question, j'y avais pas pensé. Et je crois que quand le problème va arriver, quand telle condition ne sera pas réunie, à ce moment-là, avec les connaissances que j'aurai acquises au Japon ou bien dans les études, on pourra faire face. Il faut projeter la question sur le futur. Il ne faut pas vouloir forcément répondre right now. Il ne faut pas forcément vouloir répondre maintenant. Donc, il faut essayer de faire une projection. La question tac. Pour moi, on n'a pas de réponse. Là, on est calé, quoi. Donc, distinctement, bien, quoi. Voilà, je suis vraiment... On n'avait pas pensé à cette question-là, mais c'est vraiment une question très pertinente. Donc, nous croyons qu'avec l'expérience qu'on va acquérir durant nos études, quand tel problème ou telle condition ne sera pas réunie, quand tel problème va arriver, on va s'appuyer sur les ressources qu'on a et essayer de surpasser ce challenge-là. Comme ça qu'il faut répondre. Tranquille, ok, ça marche. Okay. Et puis, troisième advice. C'est le point vraiment important. Quel que soit votre niveau d'anglais, quel que soit votre projet de recherche, quel que soit vos études ici, il y a une seule question qui va toujours finir, quoi. Je suppose, de la part des membres du jury. Quelle est votre connaissance générale du Japon? Vous venez au Japon, on va vous laisser venir au Japon, mais qu'est-ce que vous savez du Japon avant de venir? Question générale. Donc, il faut apprendre un peu de tout du Japon. C'est quoi la superficie du Japon? Le Japon est situé comment? Le Japon, il y a 4 saisons. Le Japon, il y a le système politique normal, moderne, et il y a le système monarchique avec un roi, un prince héritier. Le prince héritier s'appelle Akiko. Akiko, le prince héritier a 3 enfants, 4 enfants. La question d'ordre général, il ne faut pas vous limiter seulement qu'à vos recherches, à votre domaine, mais vous êtes montré que vous êtes intéressé par la vie sociale, intéressé par la vie en général au Japon. Et ça prouve même du jury que vous êtes candidat motivé. Avant même de venir, vous avez déjà des informations. Au Japon, il y a 4 saisons et après chaque saison, mais pendant chaque saison du moins, il y a un événement particulier. Quand c'est peut-être le printemps, c'est les fleurs qui commencent à fleurir. Donc les Japonais vont manger sous les arbres, on appelle ça hanami. Avant de venir, vous savez ça déjà. Vous pouvez avoir ces informations-là sur Internet. Il y en a plein de sites Internet qui vous parlent de ça. Pendant la saison de l'été où il fait chaud, on fait ce qu'on appelle le feu d'artifice la nuit. Boum, boum, boum. Et les Japonais aiment. Les gens voyagent d'une ville à une autre pour aller regarder ces différents festivals, right? C'est un peu ça. Il faut avoir une question générale. Par exemple, je prends mon exemple. Moi, avant mon interview, la veille, j'ai appris à compter de 1 à 10 en japonais. Je ne sais pas, j'ai eu les déclics, mais attends. Et si j'apprenais à compter? En fait, avant de venir, j'étais vraiment attiré par les animés, les Naruto. Donc, moi, je connaissais les Naruto, on fait les jutsu. Voilà, avant de venir, Kagebuchi no Jutsu. Je savais déjà les jutsu comme ça, les petits mots en japonais qui n'avaient pas de sens, mais qui étaient en japonais. Donc, pour un japonais qui est devant vous, quand vous lui parlez de Naruto, vous faites les signes comme ça, il sait déjà de quoi vous parlez. Donc, avant de venir la veille de mon interview, je prends 1 à 10 en japonais, je le mets dans ma tête. Ichini, san, shiko. J'apprends ça la nuit, quoi, carrément. Si j'apprends avant, je vais oublier. Donc j'apprends la veille. Moi, c'est ma technique. J'ai appris ça la veille, de 1 à 10. Après l'interview normale, les questions techniques et tout, la question de qu'est-ce que vous savez du Japon, monsieur? Là, je suis content, je souris parce que la veille, j'avais déjà bossé mes 1 à 10 en japonais. Je sais compter de 1 à 10. Donc je compte devant les membres du jury. Je vois les têtes qui ont commencé à hocher. Je lui ai dit non, moi je suis un fan de Naruto, je fais mes signes encore de Naruto et tout, je fais les mots et ça prouve vraiment que là, le mec vraiment il est peu intéressé par le Japon. Donc c'est un peu ça l'esprit. Donc vous pouvez étudier tout ce que vous voulez, ce qui rentre facilement dans vos têtes, les connaissances générales du Japon.
Vous venez au Japon pour étudier, mais vous allez vivre au Japon et il faut que vous soyez intéressé parce qu'il y a forcément un truc qui vous intéresse. Si c'est la pêche au Japon qui vous intéresse, comment les pêcheurs s'habillent pour aller au Japon, ça peut être vos points forts. Donc, je crois qu'on va s'arrêter là, comme j'ai dit, petite vidéo rapidement. Bonne chance à tous ceux qui vont partir à l'épreuve orale. Vous aurez la même vidéo, vous allez voir la même vidéo, c'est les mêmes pensées que je donne à tous ceux qui me contactent personnellement. Et pour ne pas faire des, on va dire quoi, pour ne pas faire des favoris, j'ai préféré faire cette vidéo là. Donc, restez connectés, on a occupé, il y a moins de vidéos, mais ça va venir. Bye bye!